Né le 20 novembre 1961, Pierre Hermé fête son 62e anniversaire en 2023. Gourmand et fin connaisseur de délices sucrés en tout genre, le chef pâtissier a suivi un régime très efficace qui lui a permis de perdre presque 30 kilos en seulement 6 mois. Face aux journalistes de VSD, il avait confié sa méthode ultra simple, qui est sans doute la meilleure, pour perdre du poids. Interviewé en 2017 par VSD, le chef pâtissier Pierre Hermé avait révélé comment il était parvenu à perdre près de 27 kilos en seulement 6 mois. Loin d'adopter les méthodes drastiques ou trop restrictives, ce passionné de gourmandise en tout genre a simplement mis en place une alimentation plus équilibrée dans son quotidien et a veillé à revoir les quantités de ses portions. Si le sucre est bien sûr l'un des premiers ingrédients qu'il a tenu à limiter, il a aussi surveillé sa consommation d'alcool, également responsable de ses kilos en trop. Tout simplement en consommant moins de sucre et d'alcool, a ainsi confié l'époux de Valérie, il l'a épousée en 2017. Et parce qu'il est conscient que les régimes trop stricts ne mènent souvent à rien et conduisent bien souvent à prendre encore plus de poids, il s'accorde de temps en temps des petits plaisirs simples et très bon marché. Il confiait, « Il m'arrive de me rendre au McDo pour déguster des Chicken McNuggets, tout comme j'ai un faible pour les fraises Tagada. » Sacré meilleur pâtissier du monde par le classement des World's 50 Best Restaurants réalisé par une société britannique, il a été classé 4e dans la liste des 50 Français les plus influents du monde par Vanity Fair en 2016. En 2017, il a également ouvert sa toute première pâtisserie en Afrique, au sein de l'hôtel La Mamounia de Marrakech. Pierre Hermé a également eu la chance d'avoir sa propre statue de cire dans le musée Grévin. Juré historique du programme Le Meilleur Pâtissier, il a souvent été impressionné par les talents culinaires des candidats. Pour des amateurs, j'ai été surpris par leurs connaissances. Certains pourraient même rivaliser avec des professionnels. Point mon devoir, si est-il de transmettre mon savoir-faire. J'ai vraiment essayé d'être bienveillant, avait-il révélé en décembre 2016. Sur son site internet, on découvre que le chef pâtissier souvent surnommé le roi du macaron a mis au point d'étonnants calendriers de l'Av ainsi que des coffrets macarons pour Noël. À consommer avec modération bien sûr. You.